cette saison pluie, quand même, c'est pas facile à nous ici. Bah, on sait que les ordures là, ça venant des quartiers. Si la pluie tombe seulement, il y a des gens des quartiers qui ne sont pas abonnés à PME et mettent sur les ordures là, sur les caniveaux. Et il attend seulement l'arrivée de pluie. Si la pluie tombe, et aussi jette directement les ordures sur les caniveaux. Les caniveaux là aussi, c'est coordonné jusqu'à. C'est abouti au bord de la mer ici. La zone vient des quartiers, surtout du quartier de Ratouma ici. On sait qu'il faut que les gens des quartiers sachent qu'on ne jette pas les ordures sur les caniveaux. Si on jette des ordures sur les caniveaux, ça vient directement au bord de la mer. Alors que le bord de la mer aussi ne garde pas les ordures. Si ça repart, l'arrivée des montagnes, des marées seulement, ils l'amènent tous encore. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de ordures ici comme ça. Sinon, nous, on nettoie ici tous les jours, on nettoie tous les jours presque. À saison pluie, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui vient au bord, aux plages. Bah, ça trouve qu'il y a des pluies, il y a des vents aussi, les gens n'aiment pas. Seulement s'il y a des soleils, les gens viennent aussi se crier. Oui. Nous, ce qu'on peut dire au gouvernement, le gouvernement n'a qu'à voir. Bah, surtout nous ici, nous, on a besoin des poubelles, les grandes poubelles. Si on a une grande poubelle à côté ici, ça nous arrange. Bah, nous, on sait que la saison chasse là, tout ce que les ordures que vous voyez là, nous, on va ramasser tout. Quand nous, on a besoin aussi des poubelles et des grillages. Des autres pays, bah, exemple, moi, j'étais à Dakar, j'ai fait beau temps à Dakar. C'est l'État qui donne des grillages là pour mettre des limites des ordures. Les sables aussi, c'est l'État. Bah, les autres plages là-bas, il y a des détenteurs des plages, c'est l'État qui fournit leur effort. Bah, nous ici, notre patron, l'emploi des jeunes. Il fait des emplois des jeunes ici. Il y a des jeunes ici qui travaillent et aussi ne sont pas besoin d'autres faire autre chose. Comme ils sont travaillés ici, et aussi gagnent leur suite ici. Fena ntore na mutama benye. Bo yugi fi tore na ra ibaratu. Me na kelima quartier na kui. Me mo amone ye me ngese ya mwali ya jini tungu. Ni fa suivre ba ma quartier kui. Ni fa mpeyo na nan kui nye wale hala yugi ha hala fa gono ba de ma mugro mana kiso. Quartier forcé yugi kelima quartier ne. Ha neni do sin le na fouché kui nye. Yé, à l'autre une fois, et profiter mon autre une fois, et bien ça fauché, oui. Il n'a pas pèse tout, mais n'importe comment. Pampes, il n'est aussi né, il bien en s'en aide, moi. Il est là, il est bien gouffé, moi, bas d'un an. En quel bien de boucherie, mani. Boucherie. Yogé, femme yogé bien nan, tout, et bien bagam ma pon nan, oui. Nabiri, ça tombe sur le bord de la mer. Abiri, femme à bas d'un an. Abiri, femme bas d'un an, au moins. Et au moins, il y a poubelle de quartier. Poubelle, c'est petit. Il y a poubelle de quartier. Il y a un gêné. 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 Mais demi, il y a un gêné. Ah, il y a des gens qui ont fait des choses. Je suis en train de me dire que le gouverneur, au moins, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Griage, menace, griage, que menace à y aider pour vous qui ont été en train de se faire. Il y a des choses qui ont été. Année ba yugi sembera et fa grillage ya mobe moana sa quel fait galion han mariado ya malinara et nara ba mobe non c'est fini c'est que il y a ba de bir malinara ta kuko kirimara ba de bir tout.
les difficultés que moi j'ai ici, c'est le problème des ordures. Vous comprenez? Et chaque saison, moi seul que je pose ici plus de 18 tonnes des ordures chaque saison. Les pieds des ordures que je pose ici, moi seul, c'est presque 13 tonnes. Vous voyez? Donc, je ne veux pas poser des ordures à un seul tas. Donc, il faut que je pose à deux tas. Je demande au gouvernement de faire de grands efforts auprès de moi concernant pour le nettoyer des côtes marées et pour que je puisse au moins renforcer cet projet. Et en tout cas, c'est ce que moi je demande pour que le gouvernement aussi fasse tout possible pour qu'il va m'aider à avoir même si un tout petit camion, vous comprenez, qui va essayer d'évacuer les ordures. Donc je demande au colonel Doumbouya avec le Premier ministre et madame la gouverneure, m'a aussi là et auprès de tous les citoyens guinéens. Mais nous devons être patriotes d'assainir la ville. La ville, le Côte-Marais, si nous prenons l'exemple aux autres pays, comment là-bas leur lieu de touristique est propre? Parce qu'il y a les Calabrais un peu partout. Vous comprenez? Et si l'État aussi peut m'aider à avoir un camion, ou bien soit Katakatani, ou Roula, qui transporte les ordures dans les dépôts différents. C'est-à-dire que je peux être liaison avec la mairie. Le conseil de quartier aussi n'a pas de projet, comment il va occuper. Il faut la jeunesse aussi, on occupe la jeunesse, doit au moins travailler. On a assez de difficultés pour le moment. Avec la saison des pluies, on a assez de difficultés. Parce que alors là, les ordures, ça se bouscoule de gauche à droite. Souvent, on a des problèmes avec les gens du quartier. Et ils viennent et mettent les ordures dans les fossés. Quand ça descend sur la mer repousse encore. On a des sérieux problèmes. Et en même temps, comme on dit ça, on a des difficultés au niveau de, comme on dit ça, au niveau de clientèle. Parce qu'avec la saison des pluies, les clients viennent rarement, tu vois. Quand les clients viennent, quand ils trouvent les ordures ici, on a des problèmes. Ils ne viennent pas, ils ne s'assoient pas. Tu vois, tout ça là, ça nous crée des problèmes, tu vois. Et puis, comment dire ça, j'ai un truc à dire à l'État. Il faut que l'État vienne nous aider pour comment dire ça. On a des sérieuses difficultés ici. On a des difficultés, des problèmes de grillage. Pour ça, pour installer au bord de la mer, pour que les ordures qui viennent, pour que le grillage puisse nous sauver. Parce qu'à travers de ça, il n'y aura pas assez d'ordures sur les commandes, là où les clients viennent pour s'asseoir. Même les commandes, les sacs de farine, si on a besoin de ça aussi, ça serait bon pour nous. Parce qu'avec ça, on peut mettre des sables, on peut 3 à 4 étages sur ça, alignés par là. Le problème des ordures, ça nous fatigue. Vous allez regardez là-bas aussi. Il y a assez de ordures ici. On a des sérieux problèmes, surtout au niveau des ordures. Surtout au niveau des ordures. Ou bien sinon, à nous, dans les conditions normales, la plage, c'est un lieu là où quand tu viens, c'est pour te reposer. Ce n'est pas pour voir des ordures qui sont commandées ça, qui ne te permettent pas de s'asseoir.